sub bien internet, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui en compagnie de Xylophone, de l'internet et de Fuse MC. Comment allez-vous les amis de l'internet? Bonjour. Bonjour, bonjour. Moi ça va très très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve en fait en leur compagnie pour vous présenter la base. Donc avant de commencer la vidéo, allez voir la chaîne de Fuse MC, laissez des dislikes s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci. Je rigole, allez mettre des pouces bleus sur ses vidéos les amis, faites pas le bâtard, allez voir ses vidéos, il fait une série aussi sur le serveur, il va présenter d'autres choses que moi je présente pas, donc si ça vous intéresse d'avoir le deuxième point de vue d'un Kikou, ben allez voir ça. Voilà, aujourd'hui j'ai essayé de vous présenter la base parce que ça fait depuis quelques jours que le serveur est ouvert. Et je me suis dit que ce serait un bon moment de vous présenter la base. Vu que, aussi, à la fin, ben, après cette séquence-là, vous allez voir un kill qu'on a fait sur... En fait, les gars, j'explique, c'est un gars qui habite proche de chez nous et il m'a trappé. Ensuite, j'ai réussi à sortir avec... vous allez voir. Et puis, j'ai réussi à sortir et ensuite, il est remonté à la surface et je l'ai tué. Donc, voilà, c'était quand même assez cool. Je vais vous montrer ça après dans la séquence d'après. Donc, les amis, on a une petite boîte à dons. Juste avant qu'on commence, si vous avez envie de nous faire des dons. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui a fait un don de cactus, d'or et d'un plastron en or pété avec du sable. Un gros merci à vous. Essayez de laisser vos pseudos aussi des fois renommés sur les items. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Ensuite, il y a quelqu'un qui a enlevé mon tapis que j'avais mis. Je suis plutôt fâché parce que ça, c'était un beau tapis. Vous saurez que j'avais travaillé fort dessus. Attends, faut que je te fusionne ça ensemble, Xylo. Quoi? Non, ouais. Non, c'est ah, okay. Donc en gros, ensuite on a une petite salle ici. Bon, pour l'instant ça sert à rien, mais c'est pour un genre de moyen de bac. Voilà, donc on peut trapper les gens ici. On va sûrement faire une trappe avec genre quelque chose qui s'enlève, que ça fait tout tomber, genre une sun trap en bas là en plus, ou quelque chose comme ça. On sait pas encore exactement ce qu'on veut faire, mais bon, voilà quoi. Ici on a la même chose pour drop. Donc j'ai un kill normalement, comme vous pouvez voir j'ai un kill, donc j'ai tué ce gars là, c'est ici, voilà, Foxy. Xylo aussi l'a tué, donc c'est le gars qui habite à côté de chez nous, si je vous dis, comme j'ai dit, c'est le gars que vous allez voir dans la séquence après. Donc voilà, il est à 0.1 de DTR, il est bientôt en ban en espérant qu'il se reconnecte et qu'on puisse essayer de le tuer. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Bon, comme ça on pourrait avoir sa base qui est juste à côté. Si on fait F map si je m'abuse, voilà, la base est juste là, donc les 5 claims sont juste là, ça serait vraiment cool de les éloigner. Donc ensuite Tarkrafi qui est mort aussi, et puis Sasakidoku, c'est toi qui les a tués. Ouais, ok, ouais, il y avait un cheater qui aussi l'a éliminé, donc voilà. Ensuite on a une zone de drop. Comment ça marche, c'est qu'on drop, on réouvre la fence gate. Ensuite ici on a les champs de melon. Donc un petit truc easy peasy pour les champs de melon. On n'a pas vraiment besoin de grand chose pour les champs de melon, mais bon, quand même fait un petit étage pour ça. Ensuite on va dans l'eau ici, on descend encore en bas et boum, on tombe dans les champs de canne à sucre. On pourra sûrement faire d'autres étages là, pour l'instant c'est juste qu'on en a deux, mais on verra dans le futur. Ensuite ici, ben les champs de canne à sucre, etc. Au calme. Ensuite on descend encore et là on a une décoration qui a été faite par la seule et unique, le Fuse MC. Donc en gros on a la table d'enchant niveau 30 que je vais vous Fuse. Si on se demande l'épée de looting que je ferme un peu vite fait, je vais leur montrer comme quoi qu'elle est niveau 30. Il est dans les coffres là. Ah merci. Je crois ou pas. Non, c'est lui qui est là. Donc en gros regardez comment ça va vite. Faites juste regarder mes niveaux les amis. Ça va extrêmement vite. Vous avez vu avec la looting, c'est on est sur un HF si vous savez pas, mais sur un HF ça va super vite. En plus on a toujours l'entrée de la mine qui est ici. Donc voilà. Aussi on a kick fast kill puisque bon il y avait trop de problèmes, tout le monde s'embrouillait avec lui et moi je voulais pas de bambouille dans ma faction. Donc on a recruté Fuse à la place et XX Taser qui est un abonné. Vachement sympathique, il était vraiment cool avec nous et tout. Soit on l'a recruté, donc dites pas ah oh, c'est impossible. Écoute, tu recrutes jamais les abonnés, wesh. Comme ça dites pas ça les amis. On a recruté Taser qui est un abonné, il y a notre TS privé puis il joue avec nous quand même assez souvent maintenant. Donc ça c'est cool, donc on recrute quand même des abonnés. Il suffit pas de nous spam ou quoi que ce soit, faites juste jouer. Et puis quand on voit que vous êtes actif et que vous faites des gros dons à nous, ben là on va dire wow comment t'as eu ça tout, on va parler avec vous. Puis là vous voyez ce que je disais, genre faites-vous remarquer, c'est ça ma question. C'est pas genre de nous, tu n'es pas obligé de nous faire des dons, mais genre faites-vous remarquer pour qu'on puisse voir que vous êtes actif quoi. C'est ce que je veux dire, pas en nous spamant, ok. Je vais mettre les cactus ici, merci encore à la personne qui nous a donné les cactus. Donc je vais enchanter niveau 30. Qu'est-ce que je pourrais enchanter niveau 30? Oh non, qu'est-ce que je pourrais enchanter? On a-tu un peu de diamant? On a un peu de diamant. Je vais essayer, je vais faire un épée. Non, non, je vais faire un épée. Essayer d'avoir looting 3. Connaissant ma chance, ça va faire de la merde. Ouais, il faut éliminer là. Voilà où? Voilà où? Les gars, regarde ce que j'ai eu, Xylo.
Oh my... Attends, on peut faire Smite 5 du coup. Vas-y, tiens. Fusionner. Donc voilà, après ici, on va faire sûrement d'autres choses. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, mais on va faire des machines à position et tout, inquiétez-vous pas. On a quand même des gros claims, comme je vous ai montré, on a quand même tout ce claim, donc c'est impossible. En plus, on s'est mis en plein milieu. Ouais, toujours fatigué, moi. Donc en plus, il n'y a pas de souci qu'on se fasse avoir par les murs comme à l'ancienne version et tout, donc ça, c'est stylé aussi. Donc, on a des arcs, je vais mettre les arcs ici, on a été vendre, donc on a été vendre pas mal de redstone, si vous vous souvenez, hier, il y a pas mal de redstone. Donc j'ai vendu toute la redstone pour 6000 environ. J'ai vendu aussi un peu de lapis, un peu d'émeraude. L'émeraude, ça donne 1000, ça c'était quand même bon. Et puis voilà, sinon mon stuff, faudrait que je le reaper, donc c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais attendre encore un peu qu'il soit un peu plus broke, mais je vais le reaper. Puis ça devrait être tout les amis. So, je vais vous laisser sur la séquence avec le PVP, comme je l'ai dit, ben, le kill du gars. Et puis je vais vous reprendre quand j'ai une autre séquence intéressante. A tout de suite les amis. J'en ai une autre. Et je suis dans une trappe là. Non, je vais m'acheter les bottes. C'est vrai, je me suis cassé de cette trappe, Icon. Je reviens. Putain, j'ai eu de la merde. Ouais, mec, c'est trop easy de farm. C'est juste les diams qui nous manquent. Ouais, mais bon, j'aurais dû pocheter les votes level 30. Farmer un peu les minerais, j'ai les housses. Trop de minerais, là. Ouais. Fuse, j'ai mes deux arcs P5 U3. Ouais, parce qu'en fait, là, il faut du bois pour faire quelques coffres. Icon, ouais. C'est par où le trou, tu me dis? Oh, je pars attends, en train de je vais partir coup, en cuir. Ah oh, je peux rentrer dans sa base, je suis dans ses mines. Vas-y, vas-y, faut que t'ailles le chercher. C'est à partir d'une mine, mec. Mais reste en sneak. Faut pas qu'il te voie, parce que s'il bouge, t'es dans la merde, tu restes en sneak. Je peux pas, mec, il a rebouché, je crois. Non, bah, oh, je suis il mort. A bouché, je crois. Ouais, il y a pas de full cure, je pense. Pire, tu... je sais pas comment on va faire. Il va peut-être revenir à FA, à son moment, à un moment. Deux sticks et je vais chercher du bois. Je m'assure. Mec, il a merdé! J'ai les formes! Il a merdé, il m'a pas touché! Il va revenir à son forme, ça veut dire bientôt. Il y a deux paires de bottes de merde. Ouais. Oh putain! Par exemple, il m'a broke ma dura de ouf, mais bon. Moi je sneak tout gold en attendant qu'ils viennent. Et deux, nice. Qui remonte par les mines, il remonte par les mines. Fermez vos gueules s'il vous plaît. Je parle pas mais bon. Pas grave. Toi qui apprends les gars, je vais essayer de chercher du bois avant de... C'est bon, je l'ai eu. Je vais chercher d'aller... No fake. Easy. Bon. GG. Du coup c'est le chef show Fox 6. On peut pas le sortir mais qui est tout seul. Je vais essayer de chercher du bois. Ouais je sais c'est pour par ça. Par exemple je le revive et on l'aurait tué. What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aussi pour une nouvelle vidéo, haha. Non, juste pour une nouvelle séquence en fait. J'étais en train de miner, puis en fait j'ai trouvé un mob spawner qui était juste un peu plus haut, je vais vous montrer. Puis j'ai trouvé des galeries, so, j'ai vite fait essayer d'explorer, mais il n'y a pas grand chose à part des coffres. Puis il y avait deux trucs de bois, plus tous les items du mob spawner. So, c'est sûrement la personne qui a trouvé le mob spawner qui était juste ici, je crois. Il y avait un mob spawner ici quelque part, je crois que c'est ici, je suis pas sûr. Fait que je me gourde de place, mais normalement... Ah non, c'est pas ici. What? Ah oui, enfin dans les entours ici quoi. Mais il est dans l'autre grotte, normalement il est dans l'autre grotte là-bas. Donc attendez, je vais juste prendre le fer qu'il y a là. Donc ouais, il est dans cette grotte là, mais c'est bizarre, what the fuck. Ça, attendez, je vais essayer de me retrouver par où que moi j'étais. Moi je minais dans la grotte qui était ici. Puis voilà, moi je minais ici, au travail. Je vais prendre l'or et tout. Puis c'est vrai, je trouvais ça bizarre. Ils ont rapeti les grottes. Ils ont pas fait des grosses grottes comme à la version d'avant. Ils ont fait des plus petites grottes, comme vous voyez, comme un peu plus comme celle-ci. Il y a de la redstone là. On va prendre la redstone. Puis ça va être pas mal tout pour cette section de minage. J'ai fait 40 niveaux, donc j'ai quand même miné pas mal. Voilà, on va prendre ça. Puis on va prendre aussi l'autre qui est dans le coin là. Voilà. Donc voilà, ça va être pas mal tout. J'ai quand même
Je dois quand même avoir pas mal de trucs normalement sur moi. On est niveau 40, super. Donc je dois avoir tout ça, donc je retourne à la base des amis, puis on se retrouve après, à tout de suite. Alors les gars, on se retrouve vite fait. Je vais faire un échange avec un abonné fidèle. Donc c'était quoi qu'il avait besoin? Il est où? Il est au téléphone? Ouais, attends. Je vais chercher les trucs en bas, puis je vais pour le... lui échanger. Donc il voulait quoi déjà lui? Je sais pas moi. Ah, c'était de virer. Tu m'as pas dit. Ah, oh, il y a un bicep sous la base. Ouais, c'est moi qui l'ai rentré là pour pas qu'il s'assied par les autres. Il veut faire un échange avec moi. C'était du diam contre une virue, je crois. Il avait besoin d'une virue et il est dans la base. Il est en dessous dans la petite salle du dessous où il y a les petits portions. Et il voulait quoi aussi? Du fil, je crois qu'il voulait. J'ai pas de fil. Il est bien stuff. J'en ai 8 comme ça. Non, il est stuff que. Tu veux le tuer ou pas? Et tu lui as donné quoi? Mais il va me donner du diamant en échange de ficelle et une virée du nether. Tu veux le tuer? Bah moi pas trop, mais bon après voilà quoi, c'est comme toi tu le sens. Non mec, après tu vas... il va te détester. On le tue ou pas? Ça va, il m'a donné 20 diamants, tu l'es pas. Dis-lui faire réforme. Ah, il veut faire un screen. Prends un screen avec nous. Ok. Non. Il veut prendre un screen et tout, il nous aime. On fait sortir ou pas? Tu l'as pas, tu l'as pas. Ça c'est une petite bonne petite salle pour faire un échange. Ouais, laisse-le là. Il faut qu'il fasse effondre. Non, 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 laisse-le là, c'est là. T'es vraiment un bâtard. Non, viens, ça. Bon, laisse-le tranquille. Merci, mec, ça fait plaisir. Donc, on a eu environ... Non, j'avais il m'a donné 10 diamants parce que j'en avais déjà 10. Donc, environ, voilà. Ok, merci. Mec. Bah, ça va, c'est pas grave. C'était pour un big sub, mec. Y'a rien pour faire plaisir au big sub. Bon, je vais placer tout ça dans les coffres et on va faire un petit aller au spawn. Les gars, on va aller vendre tout ce qu'on a. So, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vendre canne à sucre et minerai, right, Xelo? Je n'en ai aucune idée. Bon, on va faire ça, je reprends tout de suite après, les gars, tout de suite. Ouais, Rush, je viens juste de fusionner un arc pour Taser. En fait, il y avait deux arcs, un Infinity, il y avait un Power 5, un Breaking 3, puis un normal comme ça. Donc, j'ai décidé d'y mettre un petit Infinity 1 dessus, donc voilà. Moi, j'ai toujours la mienne aussi, donc ça, c'est cool. On a aussi toutes les canne à sucre qui sont au-dessus, non? Ouais. Donc on va aller faire un petit aller au spawn vite fait maintenant. Après on va peut-être voir après on va tuer aussi I love UHC. De toute façon j'ai des vies donc ok bon. On va tuer truc UHC après I love UHC. Il veut sa tête dans notre base. Donc voilà, on va le tuer par plaisir. Qui veut un gunpowder? Ouais, on achète de la gunpowder les amis. Si vous avez de la gunpowder, vous voulez nous faire des dons de gunpowder, sincèrement les amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Que ce soit juste une ou deux les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Nous, ça pourra pouvoir nous aider à faire des potions vu qu'on peut pas être dans l'aime tout de suite, vu qu'on est pas très doux au PVP. Donc attendez, je vais aller chercher les trucs avant. Ouais, hop là. Oh shit, j'ai mal misclé. C'est ici la canne à sucre? Ou un encore plus bas? Là. Ici. J'étais pas sûr. Là, je suis stack. Super, je prends tout ça. Je laisse ça là. Puis les virus c'est par 16, non? Ouais, mais laisse-les, on en a besoin. Ouais, t'as raison. Bon, allez, FM, on y va, on va spawn les gars. Je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Yup les gars, donc on se reprend. Donc j'ai fait quand même pas mal d'argent. On a checké le belt up un peu, mais je me suis fait vraiment beaucoup d'argent. Donc on est rendu à 10... monnaie, on est rendu à 11 000 quelque chose, donc pas mal stylé. Par exemple, il y a eu un petit bug avec les FOM, en gros, faut pas le mettre sur les trappes, faut le mettre ici, FOM comme ça. On ferme la trappe qui est là, hop là, oui.
Wapidou. Donc voilà les gars, c'est pas mal tout ce que j'ai aujourd'hui pour vous pour cet épisode là. Je sais que ça fait un épisode un peu... Ah, j'ai oublié de faire une trappe. Ça fait un épisode un peu court, mais là on doit vraiment éliminer. Comme j'ai dit, on va essayer de le plus possible d'être dans le ball top. Là on est 11 000, on est à peu près au-dessus de Bayan Kuno Maskil. So, quand même pas mal d'argent. So voilà, combien un end portal 3500. Voilà, donc voilà, je vous retrouve dans le prochain épisode les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, si on atteint les 100 pouces bleus, je vous sors le prochain épisode beaucoup plus rapidement, donc c'est à vous de jouer les amis, je vous aime, c'est Tycoon, bonne fin de journée.